m'appelle Aïcha, je suis originaire de la Bourgogne. Je travaille dans le groupe CEP depuis 1987 sur le site de Selongère. Et j'ai démarré à Issourti en 1994. Et aujourd'hui, je suis animatrice au vélo électrique Angèle. Depuis mon arrivée dans le groupe, j'ai eu la chance d'évoluer et d'occuper plusieurs postes. J'ai travaillé au laboratoire où je contrôlais des produits et je faisais des essais de cuisson. Ensuite, j'ai passé mon CACES et je suis devenue magasinière logistique. Après, je suis arrivée en tant qu'agent de montage à Issourti, où j'ai été approvisionneuse de lignes de montage. J'apportais les composants sur les racks aux opératrices. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'être formée en tant que monitrice. Mon rôle était de gérer une ligne de montage ActiveRail, manager le personnel, tout en assurant la production, la qualité et la sécurité. Quelques années plus tard, je suis passée animatrice d'atelier. J'ai eu un peu plus de responsabilité. Je dois gérer l'ensemble du personnel et animer les AIC 5, des réunions d'information, et tous les matins, les éveils musculaires avec mon équipe. Mon travail me passionne, car pouvoir partager mes connaissances et mes idées d'amélioration sur le site m'apporte de la reconnaissance. Le groupe CEB m'a donné l'opportunité d'évoluer et de valider mes acquis en m'accompagnant au sein de l'entreprise et en me proposant diverses formations. En 2020, j'ai été parmi les premières personnes à reprendre le travail lors du premier confinement afin d'accompagner mon équipe pour le lancement de la production des vélos électriques Angèle. Dehors du travail, j'aime beaucoup me balader en forêt. J'adore faire du vélo. Je passe beaucoup de temps à lire. J'adore faire la cuisine pour mes proches et passer de bons moments avec eux. Je suis très attachée à la société CEB, car mes parents y ont travaillé. J'ai rencontré mon mari sur le site de Selongère. Mon fils a fait son apprentissage à la maintenance des sorties et ma fille, ses jobs d'été. Pour moi, le groupe CEB, c'est vraiment une histoire de famille.